Ça veut, il faut délivrer le sorcier. Or, il y a un démon en lui. En elle, il pousse cette personne à les détruire. Après les aveux, il faut que le démon soit chassé. Est-ce que vous m'avez saisi? Or, si le démon quitte le corps, c'est fini. Elle n'est plus dangereuse. Or, si elle s'arrête au stade des aveux, elle va continuer de pratiquer la sorcellerie. Or, il y a trois étapes. D'abord les aveux, après les aveux, vient l'étape de la délivrance. Or, quand va finir la délivrance, elle viendra prêter serment pour dire devant Dieu et les hommes. Or, le serment est différent du pacte. Le serment, on le prend devant Dieu. On ne viole pas le serment. Quand tu violes le serment, Dieu te frappe. C'est comme ça qu'on arrive à attraper les sorciers. Or, ils aiment bien manger, ils sont accro à la chair humaine. Or, quand la personne prête serment, dès qu'elle retourne, comme c'est devant Dieu et les hommes qu'elle a prêté serment, dès qu'elle retourne, Dieu oublie de la châtier immédiatement. Amen. Tu veux délivrer de la sorcellerie? Oui, papa. Oh, mais la sorcellerie, c'est un démon. Amen. Oui, papa. De toute façon, tu marches, la tête te voit comme poulet. Non, tu vois, bonjour, elle avait été mangée, tu sens rôti. Il y a tomate, tu vois les poulets brisés là-bas. Surtout à Port-Boué, au marché de Port-Boué. C'est déjà dans papier. Amen. Mais les gens comme ça, ils sont déjà dans papier. De toute façon, les Aouchas, la main, viennent dans papier. Mais tu n'as pas besoin d'attendre. Tu ouvres en même temps un ticket, tu manges. Il y a des gens comme ça qui sont derrière la papille. Elle, quand elle te voit, les gens sorciers, quand ils te voient dans la papille, ils veulent te manger. Or, si on n'en est pas ça, elle ne va pas respecter l'être humain. Eux, ils ne voient pas les gens comme les êtres humains, ils les voient comme les animaux. Or, il faut l'enlever, il faut le débarrasser de ce démon. Il faut les délivrer de cet esprit. C'est comme quelqu'un, une personne qui est dans la prostitution. Vous allez pas donner les conseils à la personne, zéro, ça ne va jamais rentrer. Or, quand le démon de la prostitution quitte une personne, face au péché, la personne se maîtrise. Amen. Tu veux être délivré. Oui, papa. Papa, il reste un peu à la maison. Ok. Papa, j'avais un autre puits là. Dans l'autre puits là. Dans l'autre puits là. Il y a parlé de ce que si ma petite on se lave ça. Que là, on est en train de faire. Tu as regardé le puits? Oui, papa. Et puis, il y a parlé dessus. C'est ça, quand vous lavez le corps dimanche, ça le dimanche. Et vous ne voulez pas qu'on combat les sorciers. Ils n'ont qu'à te laver manger les gens. Oh, vous voyez, non? Le pouvoir de la parole. Elle a seulement parlé. C'est tout. Et c'est rentré en exécution. Et puis, en rentrant dans la cuisine, il a parlé qu'elle aime à grand-mère. Que tout ce que l'on ne sait pas, que ça va s'embrasser. Ça, il y a du besoin dans la cuisine. C'est la parole. C'est tout ce que tu as fait? Oui, tout ça. Après, il y avait Pago dans la cuisine aussi. Hein. La nuit, quand je tape dessus, ça fait comme je frappe ma dentiste. Et puis il y avait nous, des enfants. La nuit, les enfants en l'homme. Les nounous là, ils deviennent hommes. Vous connaissez les nounous, non? Oui. Et les gens même, ils sont habitués. Ils dorment avec nounous. Hein? T'as dit pourtant, non? Vous dormez avec nounous. Nous, ça va vous embrasser la nuit. Bien compris, nounous. C'est à cause de nounous, la monsieur ne vient pas. Et les gens, ils ont des nounous, les filles. Dans les chambres, c'est nounous. Elle dormait dans. Mais la place de monsieur, là, c'est où? La grand-mère, quand elle écoute médicaments, la maman de ma petite fille, elle écoute médicaments. Elle parle de ce qu'elle s'est publiée, j'ai ça, après son compte, ça va, c'est pas devenu l'eau. Ouais. Les sorciers ont pris thèse, hein. Voici le mal, le danger. C'est toi, tu ne vois pas. Et ils sont là. Or, eux, ils maîtrisent la maison que toi. En réalité, c'est eux qui maîtrisent la maison.
Ils sont là, tout ce qui est bon, ils détruisent ça. Ce sera que tant que vous ne maîtrisez pas votre environnement, il sera difficile d'avancer. Quand quelqu'un vit sur le même toit que toi, il faut maîtriser cette personne. Pour ça, il ne permettait pas à n'importe qui de venir dormir chez vous. Ou c'est toi, ou c'est le sang-fils. Vous êtes tellement gentil, vos gentils, ça fait qu'on vous mange. Tu vas venir rester chez moi. Non, c'est qu'il te maîtrise. C'est qu'il te maîtrise. Tu vas venir faire une nuit chez moi. Non, c'est que tu te maîtrises. Maîtriser une personne, ça ne veut pas dire non, bonjour, on mange ensemble. Non. Déjà dans le comportement de la personne, il y a des gens qui veulent forcément venir chez vous, dormir. Pour rien. Commencez à vous méfier. Or, elles sont là. Le jour où ils sont en contact avec votre maison, ils vous gâtent. Parce que c'est là-bas que tout se passe. Or, ils ont besoin d'être en contact de la maison pour installer leur antenne. Et à partir de l'antenne, ils ont les opérations sur ta vie. Amen. Demain, je vais vous donner beaucoup de secrets demain matin. Sortez maintenant, mais on va les tuer. Vite, vite. Amen. Non, ici, quand tu arrives ici, tu as envie de parler. C'est l'onction qui fait ça. Quand tu arrives ici, tu as envie de parler. La nuit, maison, ça y est en haut. Et puis vous, la maison. Ne vous étonnez pas, c'est comme ça, le monsieur est étonné. Doucement, bonne arrivée. Amen. Yeah.